Yes. Disconnection Top 10, numéro 7. En direct du bazar, c'est la Disconnection. C'est un premier dans le cœur des Marseillais, la Disconnection. On est en plein dedans ici en direct du bazar avec Gaël. Welcome Gaël. C'est la troisième maintenant. Je suis toujours là, ouais. C'est ça, ils vont finir par croire que je m'en vais, que je reviens. Gaël, tu accueilles un artiste 100% marseillais parce que tu aimes bien mettre en avant justement. Ouais, ça, et en plus, je suis super content parce que c'est un pote de longue date aussi. Oriane, comment ça va? Bah écoute, on est là, je suis content d'être là aussi au bazar avec Gaël. Ça y est, le single qui est enfin sorti, parce que ça faisait combien que tu bossais dessus? Ça fait. Sur le single? Ouais. Sur l'album, ça faisait 2 ans en fait, et sur le single, ça fait quoi? Peut-être 6 mois, un peu moins de 6 mois. D'accord, donc un gros boulot derrière. Ouais, il y a un gros boulot. Ça a été rapide quand même. Rapide, ouais, surtout là, c'est surtout la promo là. En fait, C'est parce que tu as la musique infuse, c'est pour ça que ça allait rapide. En tout cas, t'es joué ici hein, au bazar sans aucun problème. Ah non, on le passe 2 fois par soir. Exactement, c'est aussi dans notre série, ça. Dans notre série R&B. Cool. Et c'est très particulier parce que c'est vrai que c'est un mélange R&B puis en même temps house. Électro, ouais. Voilà, donc pourquoi ce mélange là? C'est t'es quelqu'un de la nuit qu'on te voit souvent quand même dans différents clubs. Et le côté R&B, c'est venu comment? Ben en fait, c'est venu à la base, j'écoutais. Quand j'étais petit, j'étais un danseur déjà à la base. Et je dansais tout ce qui était Michael Jackson, tout ça, j'ai toujours vu ça. Et après, le R&B est arrivé derrière. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle musique qui arrive, une nouvelle tendance. C'est l'électro. Et donc, on a mélangé électro-R&B quoi. D'accord, c'est assez love quand même, hein, dans les paroles, tout ça. Faut bien le. Ouais, faut bien écouter parce que c'est pas si love que ça quand même. Non, mais c'est très mélodieux. Très mélodieux. Ouais, ça plaît énormément aux filles. C'est chanté quand même. Ça plaît énormément aux filles. Le morceau, il est sexy. Et très très sexy. Ouais, sexy. Ouais. Et encore, vous avez pas vu le clip, elle est encore plus sexy. Il y a une fille à la radio, donc elle est stagiaire, elle en a pris 2. Oh, j'adore. Ah bah on peut lui dédicacer si elle veut. Ben voilà, dédicace. Ben voilà, je lui dédicace. Hein. Je lui fais un gros bisou même. Les showcase, comment ça se passe? C'est prévu? C'est quelque chose qui te plairait de faire de la scène? Ben j'en fais déjà. Je suis passé. Ma première scène, c'était au 6ème sens. Ils m'ont accueilli là-bas. Après, j'ai eu le Millennium. Et voilà, bientôt le bazar peut-être. Ça sera pour cet été. Voilà. Ben attends, sur la terrasse, tu vas voir un truc. Exactement, sur la terrasse. After Work, ça va être parfait. On va faire ça bien. Des artistes avec qui t'aimerais bosser? Avec qui j'aimerais bosser en France, tu parles? Ouais, ou même étranger. Hein. Ah, étranger, ben. C'est Timbaland. Voilà, Justin. Non, mais moi, Timbaland, je l'ai, moi. D'accord, ben ouais, oui, enfin, je l'ai pas reconnu. Moi, j'ai pas traversé 10 000 km pour l'avoir. J'ai fait. Je l'avais pas reconnu. J'ai fait 4 km, tu vois, j'ai rencontré Mounir Belkir, qui est mon cousin en plus. D'accord. Et qui a bossé sur. Je vais te laisser parler un petit peu. Ben, bonsoir à tous. Ben, moi, c'est Mounir. Bonsoir. Je suis ravi d'être là. Et ravi de pouvoir représenter le morceau d'Oriane, dont je suis le producteur et le compositeur aussi. Et pour retrouver l'artiste, alors c'est quoi le. Il y a un MySpace, il y a une adresse internet où on peut vraiment. Exact, il y a un MySpace qui myspace.com/OrianeMusic. D'accord, ça s'écrit. Alors Oriane, attention, c'est O-R-Y-A-N-E. Les filles, allez télécharger ça parce qu'il y a un extrait sur le MySpace, ouais. Évidemment. Il y a d'autres titres aussi en plus. Il y a des vidéos, il y a la première partie que j'ai faite de Chaim. Je danse, donc c'est une grosse mise en scène, tout ça, donc on est là quoi. Il y a un vrai travail de fond et je te propose tout de suite d'écouter un extrait. Et puis la prochaine scène, c'est pour quand? Ben, pour le moment, j'ai pas encore toutes mes dates, mais j'ai pas mes dates en tête, mais ça va pas tarder, je pense. Et ben, moi je te dis rendez-vous au bazar très bientôt. Merci beaucoup. On va s'arranger avec Gaël. À plus tard. Merci à vous.